déverrouiller le château. Trouver l'artisan Simon Steiner. Alors. C'est une ville, ça ? Valseno, ici ? Ville bizarre, hein ? Oula, il est bien touché, le monsieur. Tout va bien, monsieur. Un peu plus et vous tombez à l'eau. I am Ogle. Pardon ? C'est moi, capitaine Ogle. Ogle, fier commandant du non moins fier cristal. Alors, pas monsieur. Eh bien, enchanté. Capitaine, moi c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si je tombe à l'eau maintenant, c'est pour aller droit en enfer. Alors faut pas. Faut pas tomber à l'eau maintenant. Maintenant. Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous ? Le monstre du lac nous attend tous, mademoiselle. Et chacun son heure pour finir le travail. Allez, faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. La vache, je sais pas combien il y a de bouteilles, mais. Waouh! Alors. Là, on est en ville. Hein. D'accord. Une taverne. Excusez-moi, mademoiselle. Oui ? Je cherche l'atelier de Simon Steiner. Simon Steiner est mon grand-père. Je m'appelle Sarah. Sarah Steiner. Enchantée, Sarah. Moi, c'est Kate Walker. Vous pouvez me dire où se trouve l'atelier de votre grand-père ? Bien sûr. Sa boutique est au fond de la ruelle, à gauche en sortant de l'avenue principale. Je peux vous demander ce que vous lui voulez ? Parce que c'est un vieux monsieur, vous savez. Eh bien, j'accompagne la caravane des Yukol. Et il se trouve que votre grand-père doit mettre au point une prothèse mécanique pour Kirk, leur chef spirituel qui a été estropié accidentellement. Sans cette jambe artificielle, Kirk n'est pas en mesure d'accompagner la grande transhumance de son peuple. Et puis, les Yukol ne partiront pas sans leur guide. Vous accompagnez les Yukol ? Mon Dieu, quelle chance vous avez ! Quand j'étais petite, grand-père me racontait toujours leurs aventures pleines de mystères et de magie. La vie à Valsambor vous plaît ? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter, vous savez. Je passe tout mon temps ici, auprès de grand-père depuis qu'il est malade. Personne n'aurait pu veiller sur lui à votre place ? Nous n'en avons pas les moyens. Et puis, je préfère que ce soit comme ça. Mon grand-père, c'est ma seule famille. Vous avez l'air d'apprécier les Yukon, Sarah. J'ai l'impression que c'est rare ici à Valsambor. C'est vrai que quand il s'agit des Yukol, les gens du coin peuvent être un peu bêtes.
Ils ont tendance à mettre tous les problèmes de la ville sur le dos de ces nomades depuis qu'ils sont bloqués ici. Mais pas vous, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Durant sa longue existence, grand-père a assisté à 3 ou 4 grandes migrations d'autruches. Et il a toujours eu le plus grand respect pour ce peuple étrange. Il m'a fait partager son admiration, vous savez. J'imagine que vous êtes très proche de votre grand-père. Oui. Bien sûr, il peut être un peu grincheux. Surtout ces dernières années. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Et vous verriez son travail. Donnez-lui quelques rouages et quelques ressorts, et il vous en fera une invention incroyable. Avec lui, la mécanique devient presque vivante. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai connu quelqu'un qui était un peu comme ça. Le seul problème, c'est que ses affaires périclitent depuis qu'il est tombé malade. Je crois que si je n'avais pas eu ce poste de serveuse pour boucler les fins de mois, nous serions obligés de mettre la clé sous la porte. Merci pour votre aide. Je passe voir grand-père à ma prochaine pause. Peut-être qu'on se reverra là-bas. Je l'espère en tout cas. Au revoir, Sarah. On en parlait à tout le monde avant de partir dans la rue principale. Hein. Je préfère rester seule si ça ne vous embête pas, mademoiselle. Bon, pas de soucis. J'espère que cette taverne vous plaît, mademoiselle. Oui. Ah, mademoiselle, ravi de voir que vous avez réussi à quitter le camp Yukol. Oui, je vous remercie pour le laisser passer. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, maintenant, vous êtes là, vous allez pouvoir goûter mon fameux borsch. Ça aurait été avec plaisir, mais il faut que je rencontre l'horloger Steiner de toute urgence. Simon Steiner? Ah, dans ce cas, vous devriez parler à Sarah, notre jeune serveuse. Déjà fait. C'est sa petite fille. J'ai croisé cet homme tout à l'heure. Le capitaine Obo, il n'a pas l'air dans son assiette. Et cela fait 20 ans que ça dure, mademoiselle. 20 ans. Vous vous rendez compte? Avant, il commandait le cristal, le bateau qui assurait la traversée entre ici et le parc d'attraction, de l'autre côté du lac. Et ce n'était pas le même homme. Ben, vaut mieux, parce que s'il conduit un bateau dans cet état-là... Comment vont les choses en ville? Tout ne semble pas aller pour le mieux. Si vous voulez mon avis, l'ambiance est détestable. Bonne moitié de la population veut plus les Yukon à la porte. La plupart de nos commerçants se sont même mis en grève contre la concurrence déloyale qui exercerait leur soupe sur les commerces traditionnels. Et puis, Valsambor n'est plus la même depuis 20 ans, voilà tout. Simon Steiner est bien connu ici à Valsambor. Il a longtemps été une figure locale populaire. Vous savez, il n'est pas seulement horloger. Rien de ce qui est mécanique ne lui est étranger. Il réparait tout et pour tout le monde ici à Valsambor. Il a aussi conçu ce parc d'attractions de l'autre côté du lac avec un collègue à lui. Un créateur d'automates français, si mes souvenirs sont bons. Ah, on peut le dire, Valsambor doit beaucoup à Simon Steiner, mademoiselle. Alors quand il est tombé malade, j'ai proposé d'engager Sarah pour les aider un peu. Vous comprenez? Je vais y aller. Merci encore pour votre aide. À bientôt, mademoiselle. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui on peut parler, lui, peut-être? Moi, ouais, tous ces gelots qui font les malins pour impressionner la petite Steiner, ça m'énerve. Non, je lui ai parlé, c'est Sarah. On lui a parlé à lui. Après les années qu'on vient de passer, heureusement qu'il reste des endroits comme ici. Déjà qu'on n'aurait plus à vendre nos produits depuis la fermeture du port, faut en plus que ces nomades viennent nous les faucher. Ceux-là qui ont été par un démon, ils me guettent. Ils m'attendent, je le sais bien. Cette forme-là, dans l'eau, mais qu'est-ce que c'est? On a parlé à tout le monde, là, il semblerait. Et non, c'est pas ça, là-bas, puisqu'elle est là.
C'est pas du tout clair que je passe des journées ici. Croyez-moi, mademoiselle. Ah ben, je me suis fait... Pourquoi elle est là, elle? Je vous déconseille de fréquenter le capitaine Bobo, mademoiselle. Il est toujours bourré comme un coin. J'ai vu. Bon, je crois qu'on a parlé à tout le monde. Dans le coin, là, il n'y a personne par hasard. Non. Bon, ben, on va prendre la rue principale. Hein. Ce serait par là. Je sais pas si j'ai bien pris la rue principale, hein, mais... Ou pas, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. On est perdu, ma jolie. Il n'en a rien à faire. Hein. Voilà. Steiner. Les automates. On les retrouve. Bonjour. Vous êtes Monsieur Steiner? Désolée de vous déranger, Monsieur Steiner. Je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk, le guide spirituel de Yukol. Eh bien, mademoiselle Falcar, le docteur Olga Efimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération et que... Monsieur Steiner, tout va bien? Ce n'est pas possible. Cependant, il faut autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligeance de me le confier à l'instant. Je vous prie, mademoiselle Walker. C'était à Oscar. Mein Gott! Un cœur d'automate XZ2000 en parfait état de marche. La mémoire ressort compensée. Les ventricules à balancier et les petites pompes mécaniques. Tout cela semble en bon état. Donneur Vetter! Mais où donc avez-vous volé ça, Miss Falcker? De suite volé. Vous me traitez de voleuse, Monsieur Steiner, mais je n'ai rien volé à personne. Cet objet, c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar. Rendez-moi ça tout de suite! Arso. Pourtant, je connais très bien ce genre de mécanisme de précision. Une précision diabolique. Un savoir-faire prodigieux. Unique. C'est un automatisme Vorarlberg, mademoiselle Walker. En effet, c'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet. Vous le connaissez donc? Oh, ya. Il a même résidé ici quelques années. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris tant de choses, vous savez. Alors, il est bien inutile de me raconter des histoires, Miss Falcker. Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet. Décidément. Oh, inutile de m'enfermer, Monsieur Steiner.
La vérité, c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe. Et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure. Ça ne prouve rien ! Il me tente ! Hans n'aurait jamais confié cet objet à... Ah, voilà qui va nous faire une attaque, hein. Monsieur Steiner, tout va bien ? Mon cœur... besoin... mes médicaments... vite ! Ne bougez surtout pas, je vous apporte vos médicaments tout de suite. Aucun médicament en vue. Vite ! Oui, c'est vrai, tu regardes ça plus tard, avant qu'il meure. Bon, il a pu coller ce médoc, papy. Hein. De presse. La prothèse de Kirk. Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée. Une écriture féminine qui indique « Grand-père, n'oublie pas de prendre des médicaments 3 heures avant le souper. » Où il a collé ce médoc, papy ? Il abuse, hein. Je veux bien t'aider, hein, mais t'es accolé où, tes médocs, hein? Ça risque de lui faire plus de mal que de bien. Je vais te faire mourir, hein. On n'a rien par des horloges, quoi.
Celle-là, elle est bizarre. Non, le couteau, je pense pas. D'accord, on peut ouvrir. On peut ouvrir le verre. Et en bas, il y avait le mot comme quoi. Sa petite fille prend les médicaments 3 heures avant le souper. 3 heures avant le souper de 8 heures. Donc, ça fait 5 heures. Il tourne. Ah, ok. On va lui donner. Vu qu'à l'ordonnance, je pensais qu'il fallait aller à la pharmacie. Essayons autre chose. Merci de votre intervention, mademoiselle Walker. Je crains de vous avoir jugé un peu vite. Merci. N'en parlons plus, monsieur Steiner. Parlons plutôt de cette prothèse. Il faudrait que je puisse l'amener rapidement à Kirk, si bien sûr vous acceptez de me la confier. Il me reste quelques petits ajustements à faire. C'est de la mécanique d'une grande précision, vous comprenez? Est-ce que ce sera long? Je suis désolée d'insister, mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux Yukol. Que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leur troupeau d'autruches. Cela me fait beaucoup d'occupation. Une fois que la jambe mécanique sera prête, je peux aller la porter à la clinique et vous ramener le jeune Kirk. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres Yukol. Il vaut mieux, parce que si on y retourne, on n'est pas sûr de rentrer. C'est très aimable à vous, monsieur Steiner. Mais pourquoi en faire autant? Ah, je n'ai pas été très aimable avec vous tout à l'heure. Et puis la façon dont les Yukol sont traités par mes concitoyens, ici, dans ma propre ville, me refuse. Alors je veux aider ces pauvres diables. Même si je ne suis pas certain que traverser le lac soit dans leur intérêt. Quel est donc le problème, monsieur Steiner? La prochaine étape de votre long voyage est la ville de Paranour. Elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des autruches. Rejoignez-moi en bas, je vous prie, Miss Walker. Je vais vous montrer de quoi il retourne. Là. Cherchez près des étagères, là-bas, Miss Walker. Vous devriez trouver un film sur Paranour. Sur les étagères. Des outils que Hans n'aurait pas reniés. Les étagères. Il y en a plein des films.
Hop. Quand vous aurez trouvé la bobine de film, installez-la sur le projecteur. Alors Baranour a subi les ravages d'un accident nucléaire. Mais d'après ce petit film, les automates que vous avez conçus avec Hans auraient dû contribuer à sauver de nombreuses vies. Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi. À cause du capitaine Hobo. Par lui ! Ah, ça doit être Sarah. Venez, mademoiselle Falker. Je vais vous présenter. On refait un tour, on regarde si on a rien oublié. Des outils que Hans n'aurait pas reniés. J'ai pas l'air d'avoir oublié quelque chose. On va remonter. Mademoiselle Walker, je vous présente Sarah, ma petite fille. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, Sarah? Je dois une fière chandelle à Mademoiselle Walker. Grâce à son calme et à sa présence d'esprit, je suis encore debout. Elle a su me donner mes médicaments avant qu'il ne soit trop tard. Donneur Vetter. Tu veux dire que tu as encore eu une crise? Ah, décidément, tu n'es vraiment pas raisonnable, grand-père. Il faut absolument que le docteur Zamiatin t'examine. Allons, du calme, ma petite fille. En allant apporter sa prothèse au jeune Yukon, j'en profiterai pour consulter ce bon docteur. D'ici là, pourquoi ne te rendrais-tu pas utile auprès de Mademoiselle Walker? Elle cherche désespérément une solution pour faire traverser le lac à la caravane Yukon. À vrai dire, je pense que j'ai déjà trouvé la solution. Ce navire dans le film, le cristal, j'ai constaté qu'il était encore à quai dans le port. Je me disais que s'il a pu transporter les automates que vous avez construits avec Hans, il devrait pouvoir faire traverser le lac aux autruches. Ah, l'idée n'est pas mauvaise. Mais il y a, hélas, un problème de taille, Mademoiselle Walker. De quoi diable s'agit-il? Hobo est devenu une épave depuis qu'il a abandonné nos automates là-bas, à Baranour. Ce lâche noie ses remords dans la vodka. Il s'est convaincu qu'il a fui à cause du monstre du lac. Hein? Soi-disant, cet imbécile aurait vu le monstre, Himmelgott. Et il a fait machine arrière en abandonnant à Baranour tous les automates, et aussi les personnes à secourir.
Grand-père, je sais que tu en veux beaucoup au capitaine Obo d'avoir abandonné à Baranour les automates que tu as construits avec ton ami Hans. Il devait les attendre. Qu'ils reviennent au bateau avec les personnes survivantes qu'ils auraient extirpées des décombres de la ville et puis ramener tout ce monde ici, à Valsambor. Mais quand il est arrivé sur la plage de Baranour et qu'il a vu le désastre et puis tous les morts, il a eu très peur. La maladie, les radiations, un accès de panique sans doute incontrôlable. Alors il a fait demi-tour précipitamment. Il a mis les machines du cristal à fond et il est rentré à vide à Valsambor. Et les automates sont restés à jamais là-bas en enfer. Mais qui sait, peut-être qu'aujourd'hui il veut se racheter. Je suis certaine que Kay peut réussir à le convaincre d'aider les Yukol. Il faut que j'aille reprendre mon service à la taverne. Passez me voir tout à l'heure, d'accord? Le capitaine Obo sera là-bas. Bien, je vais tâcher de convaincre le capitaine Obo alors. Merci pour tout, Monsieur Steiner. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance, Miss Valka. Baranour n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Heures de décalage, comme pour New York. Bon ben, on va aller à la taverne. Je suis arrivée par là, hein. Ah mais non. Pourtant, j'étais sûre d'être arrivée par ce sens. C'est trompeur, hein. On est arrivé face à la voiture, là. À moins qu'il nous piège en mettant plusieurs voitures dans la même... Non, voilà. Donc, on revient à la taverne.